Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce petit épisode de Round 2 Total War, toujours avec le DLC Rise of the Republic et toujours avec nos amis les Samnites. Alors ça se passait plutôt bien, si ce n'est que j'ai vu qu'on avait ces cons là qui étaient en train de rasier la province et que du coup ça foutait la merde. On est quand même à moins 20 d'armes publiques à cause de leur connerie là. Donc ils sont bien sûr mis juste hors de portée de notre armée, mais on va quand même y aller. Déjà parce qu'on est complètement à même de les gérer s'ils décident de nous sauter dessus, hein, malgré leurs deux généraux. Et ensuite, eh ben parce que s'ils décident d'aller vers cette ville-là, elle est elle-même tout à fait à même de les gérer. Et normalement là, ils ne peuvent pas faire le tour pour aller attaquer Elé. Et on est plus ou moins défendu par les armées de notre allié dans le coin. Alors ensuite, il fallait qu'on aille faire un tour, oui, auprès de ce type-là qui est notre nouvel ennemi, qui a décidé d'entrer en guerre contre notre allié, mais qui s'est dit juste après que c'était une idée de merde. C'était effectivement une idée de merde, hein. C'est peut-être le Taras qui l'a forcé à entrer en guerre, vu que c'est quand même son état client. Enfin, je crois que c'est son état client. D'ailleurs, comment ça se fait que si c'est son état client, il a pu me demander la paix ? C'est une excellente question. Ouais, il est complètement censé être un état client des Taras, et pourtant il a pu me demander une paix, donc bah écoute, c'est pas grave, hein, ça nous arrange d'aller bouffer sa province, donc on va y aller, comme prévu. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever du Versacrum. Ah, lever du Versacrum, franchement, ouais, non, on a pas vraiment besoin, hein. On n'a pas vraiment besoin pour l'instant de s'emmerder avec ça. On a une armée ici qui glande, alors si Rome entre en guerre contre nous, c'est pas cette armée là qui va la retenir, et si elle décide de pas entrer en guerre contre nous, bah autant que l'armée se bouge. Les fesses. Du coup on va commencer à la renforcer un petit peu. Et on va aller s'occuper d'assiéger là-bas, ça fera du bien en plus d'avoir une armée qui contre-attaque dans le coin. Donc normalement ici on a des chevaux améliorés, on a un truc qui donne plus d'attaque en mêlée, et on a un truc qui diminue le recrutement, donc cette province-là est très bien pour recruter. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Il nous faudrait un peu plus de troupes de choc. Quelques frondeurs supplémentaires, ce serait pas mal, même si pour du siège c'est pas ouf. Et un petit peu plus d'épéistes, hein, ça suffira pour l'instant. Donc pour ce front là c'est bon, là notre espion il avait fait le taf, ici on avait nettoyé tout ce qui traînait, ce qui est cool. Du coup la suite ça va être quoi? La suite ça va être se débarrasser de ces types, hein, ce qu'on devrait pouvoir faire je pense assez facilement. Là on avait remporté une éclatante victoire ici, ça faisait assez plaisir. Après faut qu'on fasse gaffe parce que cette cité, ça y est, la cité a des... à une garnison, donc on peut sortir, j'allais dire, si jamais on va jusque là et qu'on peut pas revenir, il y a lui qui peut venir nous faire chier. Mais en fait ça va, donc on va complètement essayer d'aller le finir. Il s'enfuit, mais normalement on peut aller assez loin. Voilà, on va la faire en auto, hein, vous m'excuserez, en mode agressif. Le petit coup bien placé, et hop là, voilà, ça c'est fait. Alors si Liam a perdu des troupes, ça va chier, non c'est bon. On a perdu 68 troupes, ça va. On va les tuer. Et du coup, on gagne un niveau, ce qui est parfait, parce que notre chef de faction, il commence à avoir des traits un peu pourris, il faut bien quelques niveaux pour compenser. Alors, plus de compétences pour toutes les unités, c'est pas mal. Plus de dégâts, moins 20% de morale pour toutes les unités ennemies, hein, ça c'est vraiment bien aussi. Plus de bonus de charge pour toutes les unités, c'est pas trop notre délire pour l'instant. Plus de gravitas, on a largement ce qu'il faut. On va prendre, je pense qu'on va prendre effroi. C'est plutôt dans le thème. Alors du coup, normalement on est à peu près safe pour les trucs qu'il y a autour. Ah, ce qui aurait pu être intéressant, c'est de lui faire une action d'espionnage pour essayer de révéler les trucs autour. On peut peut-être le faire sur la ville. Voilà, partir en reconnaissance avec notre espion, essayer de voir si on découvre des armées planquées dans le coin. Alors, on a récupéré, on a découvert.
Androclès, qui est tout là-bas, et Histrion, qui est également tout là-bas. On a un niveau parfait. Donc là, on a une armée là, je sais pas si ça veut dire que c'est la plus proche, mais en plus il a des rebelles à gérer, donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on va pouvoir... ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer... Alors, on peut se déplacer par là. Ouais, on peut passer par là. Donc on va commencer à avancer par ici. Ici, dans un tour, on aura en plus la lutte des possédés qui sera terminée, qui nous rajoutera un petit peu plus de... encore de... comment ça s'appelle ? De trucs pour se défendre, tout simplement. Ici on est quand même à moins 5, alors je vais peut-être devoir y aller qu'avec cette armée là, mais bon, cette armée là elle est quand même, je pense à même de faire tomber Taras. Taras, on a quoi? 7 hoplites et 4 toxotes, ah bah au moins c'est simple. Et des toxotes en renfort et des hoplites légers en renfort, donc ça va être difficile de prendre les murs, mais on devrait pouvoir se permettre de l'assiéger pendant quelques tours. Ce qui fera bien plaisir. Alors, toi t'as pris un niveau ma chère. Talentueux. Plus 2 pour tous les attributs, plus 2% de chance toutes les actions. Bah ouais, ouais, carrément. Carrément, t'es talentueuse. Y'a aucun problème. Alors ici, on n'avait pas mieux. 10% de succès critique de toutes les actions. Ouais, si, c'est carrément mieux ça. Ok, donc pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Ici, on a toujours le rebelle là, qui est complètement balèze, mais qu'il faudra qu'on gère un moment. Ça viendra après. Personne ne l'a géré avant nous. Ici on avait mis ça comme objectif de guerre pour notre allié, histoire qu'il aille éventuellement agrandir sa province, mais apparemment il a du mal. Enfin, il fait au moins tampon pour l'instant, de manière relative on va dire. Au niveau des flottes, on avait... ouais, c'est bien ce qui me semblait, on a une flotte ici. C'est une vraie flotte, hein. C'est pas juste une flotte de transport, donc si on voulait faire une flotte pour s'en occuper, ça nous prendrait des plombes, du coup on ne va pas le faire. Ok, on est pas mal, il nous reste pas mal de sous, est-ce qu'on peut développer des trucs avec ces sous? Ici on pourrait, ah ici on avait rasé un truc, ah oui parce qu'on avait commencé à faire ça dans le coin. Du coup le terrain d'entraînement, je crois qu'on ne peut le faire pour le coup que dans les grandes cités. On avait vu ici que je pouvais pas le faire, hein. Je crois que c'était ça le délire. Donc on va mettre un peu de garnison et un peu de sous, et on va faire un terrain d'entraînement ici. Parce que pourquoi pas. Bon, la croissance là c'est un peu la merde, mais c'est à cause de l'ordre public qui se casse la gueule du haut raid, ça devrait assez vite changer. Allez, c'est parti. Les Sénons, ok, je sais pas qui c'est, et on s'en fout. Alors le Taras, il se balade avec ses flottes. Ici il a un dignitaire qui a repris ses esprits, on va essayer de s'en débarrasser immédiatement. Le Croton se replie, c'est parfait. Le Frontan, il fait un peu ce qu'il veut. J'ai envie de dire. Grand bien lui fasse. Et le Région, qu'est-ce qu'il va faire avec ses troupes? C'est ça qui m'intéresse là. C'est ses troupes qui sont en train de piller là. Est-ce qu'il va les replier? Est-ce qu'il va se tirer? Visiblement, il est en train d'amener masse d'agents. Un fils a atteint la maturité. Parfait. Ah, on peut plus faire de commerce avec les Frontans, merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ici c'est tombé. Ah, ça, ça fout la merde par contre. Ici c'est tombé, et du coup... ici c'est tombé aussi. Ah la vache, mais il reste plus rien en fait, les Frontans. Frontans... ils sont toujours considérés comme étant là, mais je pense que c'est juste une armée. Ouais, j'ai l'impression que c'est juste une armée, c'est même plus eux-mêmes quoi. Putain, se barrer et se faire battre par une armée de 12 péons quoi. C'est un petit peu la loose. Grave la loose même. Du coup ici c'est renforcé, bah, ce qu'on va faire c'est qu'on va leur sauter dessus. On va se le faire en auto. On a pas mal de tireurs. Normalement on devrait le faire en mode équilibré. Il nous dit qu'agressif ça passe mieux, bon on le fait en agressif. De toute façon on va les buter, c'est pas trop le problème, l'idée c'est de les faire vite pour se replier derrière et protéger notre notre cité. On va les relâcher. Vu que notre allié s'est cassé la figure, ça peut être intéressant d'avoir possibilité
de faire des paix avec ces gens-là et donc ils nous aiment bien. Alors du coup, c'est les régions, hein, donc c'est ceux qui sont totalement loin, donc on s'en fout un peu de leur vie. Ah quoi qu'ils sont là aussi. Est-ce que éventuellement ils accepteraient une paix? Soyez le bienvenu. Et puis il y aurait peut-être moyen. Il y aurait peut-être moyen. Alors moi ça m'intéresse pas trop d'aller par là-bas. On va demander. Parlez. Mais gare à la une paix, mais par contre, vous nous filez du blé. Ou à la mièvrerie. Ils veulent pas. Eh ben, tant pis, on va continuer de leur mettre des fessées. Très bien. Attendez un peu. Un esclave va vous apporter un peu de cigu. Alors ici, on avance. Hop. Bah du coup, là, on va essayer de s'occuper de ce con dans la foulée. Voilà, un ennemi assassiné. Ça t'apprendra à reposer tes dignitaires juste devant nous. Et par contre, va falloir qu'on aille complètement s'occuper de tous ceux qui sont là-bas. Donc on va rapatrier cet espion-là pour voler des trucs. On va essayer de se faire de la thune sur leur dos, tant qu'à faire. Cette armée-là, elle reste là principalement pour l'ordre public, hein. Donc là du coup, l'ordre public c'est bon, ici c'est large, ici c'est très très bien. Ici on va aller voir un peu ce qui se passe par là-bas. Est-ce qu'il a des armées, qu'est-ce que ça donne? Il a des armées mais globalement il est dans la souffrance. Hein. Ce qui est bien sûr plutôt intéressant. On peut tenter une petite partie en reconnaissance histoire de voir. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un dignitaire, fuck. On a découvert un espion qui est là, d'accord. Très très bien. J'avais pas vu le dignitaire qui est planqué là derrière la fenêtre là, derrière le nom de la ville. On a un petit niveau, on va donc améliorer voler et on essaiera de lui piquer de la thune au prochain tour. Bon alors, presque cela dit, ça nous a bien fait mal au budget, hein, l'accord commercial avec les frontons qui se cassent la gueule. Et tout le monde nous déteste, toujours. Alors, j'aimerais bien essayer d'améliorer mes relations avec Rome, parce que la bataille avec Rome, c'est pas demain. Hein. Il faut encore pacifier toute l'Italie, là. Si je leur propose un paiement assez outrancier, genre ça. Contre un accord commercial, non. Contre un pacte de non-agression, ça pourrait passer. Ça pourrait passer, alors on va essayer de mettre juste 2000 dans la balance. On peut taper? Non, on peut pas taper, fait chier. Un truc comme ça. Si je l'enlève, c'est bas. Hein. Ouais, si je l'enlève, c'est bas. Ça me fait un peu chier de payer pour Rome, mais c'est pas trop grave. S'ils peuvent bien nous aimer derrière... Peut-être. Non, ils veulent pas. Bon, bah, allez vous faire foutre. Syracuse. Je vous en prie. Il se fait déjà tard, et il y a tant à faire. Si vous savez quoi dire, faites donc. Un accord commercial. Alors eux, si je leur file du blé, ils pourraient refuser, quoi. Hein. C'est assez ouf. D'accord, donc eux veulent pas. Ils sont plutôt puissants. Hein. Par rapport à Carthage. Alors les Sénons. Les Sénons, ils sont assez loin, mais on pourrait quand même commercer avec eux. Ça pourrait être assez intéressant également. Simplement fou. Bon, eh bien, ils sont belliqueux et perfides, ouais. Ça me paraît une idée de merde. On va faire un petit tour, hein, parce qu'il faut qu'on essaie de se trouver des... Allez au but. Des gens, eux aussi, sont belliqueux et perfides, mais ils sont un peu plus loin. Du coup, de fait, ils sont un peu moins risqués. Il n'y a personne qui veut. Hein. Le feu et le bois ne peuvent... Eux, ils sont loyaux. Ils sont en guerre contre plein de gens, et ils sont alliés à personne. Vous êtes bienvenus, mais vous pourrez repartir très On vite. On peut imaginer qu'ils vont avoir un peu, ils vont mettre un petit peu de temps à nous attaquer, hein, le temps qu'ils se débarrassent de leurs alliés, enfin de leurs ennemis plutôt. Par contre, ils importent plein de trucs, donc ils ont un certain nombre d'accords commerciaux, mais on peut pas les voir. Cela dit, on a encore plus d'ennemis que lui. Hein. Bon, c'est pas grave. Ici, du coup, même si le budget pique un peu, on va se préparer un peu plus à la guerre. Tant pis. On va prendre de la troupe de choc et du montagnard de base. Et au tour d'après, on pourra commencer à se déplacer vers l'autre troupe.
Ici du coup, on avait bougé. Là on a bougé, ça c'est pas à nous. Ici on avait bougé ou il fallait qu'on enlève le truc. On avait un niveau ici. Ah c'est l'armée qui a un niveau, très bien. Truc de défense. Moins 4% d'entretien et plus 8% de morale. Ouais, on va prendre ça, ouais. C'est pas mal ça. Bon bah on a énormément de sous, on a peut-être moyen de faire des trucs sympas, genre dans les provinces où c'est un peu la merde encore là. Ici, on pourrait améliorer le recrutement, mais on a déjà ce qu'il faut. On pourrait diminuer encore l'ordre public, ça me paraît pas une bonne idée. On pourrait améliorer l'ordre public et les impôts, ça me paraît vachement mieux comme idée moi. Dans le coin, bah on n'a pas les sous. Ici, on n'a pas les sous, et ici, on peut même pas améliorer ça, on n'a pas les sous. Du coup, on n'a pas les sous. Est-ce qu'on pourrait pas recruter quelques troupes intéressantes par là? Ouais, non, globalement, c'est de la merde. Bon, on est des archers Yajip. Ils sont peut-être plus efficaces que nos archers de base, mais nos armées sont déjà plutôt bien couvertes. J'aurais presque envie de les virer, ils coûtent cher, non? Ouais, 90. Ouais, c'est parti. Alors le problème c'est que ça va bientôt être l'hiver, on va se retrouver à faire un siège en hiver et c'est pas top ça. Mais bon, on fera avec. Alors ici, il balade une flotte entre ces villes, bah écoutez, si ça lui fait plaisir j'ai envie de dire. Moi je m'en tamponne. Ah merde, il nous a repéré et il a envoyé quelqu'un buter notre espion. Ça c'est la tristesse par contre. Oh mais c'est quoi cette armée là? Une grosse armée ennemie qui se balade. Donc comme prévu, il y a beaucoup d'agents dans le coin. Donc on s'est fait buter un espion. On a terminé une recherche. Bah notre agent caché a été découvert, oui il est mort. Une tribu migrante a envahi cette région. Ok, c'est pas chez nous mais c'est pas si loin, hein. Faut faire attention à ça. L'entourage grandit, un vieux vassal, ok, on a terminé plein de bâtiments, c'est cool. Un surplus de population ici, intéressant, on va attendre d'avoir 5 pour améliorer la grande ville plutôt. Populace inspirée en Campanie, on a recruté des troupes, populace soucieuse en Lucanie, mais ça s'améliore normalement, ouais voilà. Ce qui est très bien, au niveau bouffe on est pas mal, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à se déplacer vers ces cons. D'ailleurs visiblement il y a une armée qui a disparu. Je sais pas où elle est partie. Cap. C'est marrant que ça coûte 4 alors que là ça coûte 7. Je sais pas trop ce qui influe sur ça. Du coup, y a beaucoup de gens qui traînent. On avait un espion qui se baladait pour essayer d'aller voler des trucs. Du coup, ce qu'on va peut-être devoir faire, c'est recruter un nouveau... Alors, on va peut-être pas le recruter là directement à portée. Mais on va recruter un champion. Alors, un mec efficace. 20% de richesse provenant des aventures. Non. Plus 2 d'ordre public dans une province locale s'il est déployé. 5% de déplacement, plus 10 points d'expérience. Ah merde, on a des espions un peu merdiques, faut bien avouer. Bon, lui a moins de chances de se faire buter, donc on va le recruter. Du coup, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Un ruse. Tiens, bah, je l'ai pas mis à l'autre le déguisement de lépreux. Hein. Toi, t'as un déguisement de lépreux? Ah, mais j'ai plusieurs déguisements de lépreux. Bah du coup, allons-y. Un autre déguisement de lépreux, alors c'est parti. Alors non, si on va. Oh, putain, c'est pas ce que je voulais faire. Je me suis dit je vais l'envoyer explorer lui, mais non, je vais plutôt recruter l'autre là qui est bon en aventure. Je peux en avoir que deux, je crois. Ouais, je peux en avoir que deux. Donc du coup, on ne va pas le faire. Faut que j'aille explorer par là pour trouver des éventuels accords commerciaux là. Et du coup, je voulais envoyer éventuellement un agent, mais il va me falloir un bateau à la place. On peut lever une flotte, hein, normalement. Ne coûte rien.
Hop. Pour l'instant, elle peut pas bouger. On est bien d'accord. Ça, c'est un ennemi. Non, ça, c'est la Ligue Étrusque. C'est pas un ennemi, la Ligue Étrusque. Et on va essayer de l'envoyer par là-bas, découvrir des gens avec qui commercer, parce qu'on a quand même bien besoin de se faire du blé. Alors, en parlant de se faire du blé, au niveau des techs, on avait terminé sur Ordre du Versacrum, c'était quoi? Vu le nom, ça devait être un truc militaire, non? Ouais, c'était ça. Donc ça donnait, ça améliorait nos unités de Versacrum, en fait. On pourrait avoir des munitions et des céréales, ouais, bof. Encore un peu plus d'ordre public. Ça, ça va nous permettre d'améliorer nos villes. Et en plus d'avoir beaucoup plus d'impôts. C'est pas mal. Sinon un peu plus de bouffe. Ouais, la bouffe c'est pas trop un problème. Et ça ne sera normalement pas trop un problème. Et là on a quoi? De nourriture, plus de croissance. Ouais, allez, on va faire un peu de croissance. Deux de croissance, c'est pas ouf, mais ça peut aider. À votre service. Ok, donc ici, est-ce qu'on peut faire des trucs? On peut entraîner des pertes au sein de la colonie. Ouais, ça coûte pas cher, en plus on va tenter. Si on arrive à faire en sorte que sa colonie soit un petit peu endommagée juste avant de l'assiéger, ça peut le faire. Bon bah on a raté, mais on a quand même gagné de l'XP. Du coup, on est parti pour le siège, donc juste avant l'hiver. Hein. C'est un peu triste, mais c'est pas grave. On va se faire... une tour de siège et un bélier. Tant qu'à faire, on va essayer cette fois de passer. On pourrait faire l'assaut direct avec notre échelle pourrie, mais non. Il a énormément d'oplites, donc il va pouvoir tenir les murs assez longtemps. Du coup, l'idée, c'est d'éviter ça à tout prix. Ok, donc ici, on n'est pas si mal. On pourrait peut-être recruter quelques troupes pour renforcer le coin, maintenant qu'on a des vrais bâtiments. On a pas mal de frondeurs, il nous faudrait des troupes de choc, genre des lanciers. On va rester sur du lancier samnite léger dans cette armée pour l'instant, elle est surtout là pour la défense. Ici on avait bougé ce tour là, ouais ok, donc au prochain tour on ira, on attendra peut-être la fin de l'hiver et on ira voir si on peut pas s'occuper de cette cité là en passant. Et donc là, rien d'autre de particulier, on va garder des sous. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a dans cette cité là? 5 hoplites nobles, ah putain ça pique ça, et des peltastes. Là, ouais, ça va peut-être piquer un peu les hoplites nobles, hein, mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Au niveau des objectifs, on était où? Parce qu'il fallait qu'on ait 4 provinces et ça risque de venir là. Il fallait chercher, ah il fallait que je cherche l'avantage de l'esclavage. C'était pas pour ça que j'avais fait ça là? L'avantage de l'esclavage, c'est où ce truc? Ah non, c'était un truc que j'avais pas du tout fait, je crois. Ah ouais, c'était un truc que j'avais pas du tout fait. Pff, ça, il faut quoi? Il faut ça, plus 15% de richesse pour notre bétail, plus 6% de taux d'imposition, et... plein de trucs pour les esclaves. Ouais, allez, on va faire 10 tours, c'est jouable, et ça va nous faire quand même pas mal de blé. Et l'autre objectif, c'était quoi? Construire un atelier de bronze. Un atelier de bronze... c'est pas ça. C'est ça. Il faut encore une autre tech bah, qui est dans la même truc, donc bah, tant pis, parfait. On va se concentrer là-dessus et on terminera du coup le niveau 1 de Via la Bosse. Ah, on a quelqu'un qui a un niveau. Alors, c'est qui? C'est toi qui a un niveau. Comment puis-je vous aider? Ah, mais t'avais un deuxième niveau en fait. J'avais pas fait gaffe. Ou t'avais un niveau et je ne l'ai pas pris. Du coup, pyromane. Frénésie pour toutes les unités d'affiliés. Oh non, on est plutôt sur quelqu'un. Ouais, voilà, on est plutôt sur quelqu'un qui est là pour essayer d'assassiner, là, clairement. Hein, pour foutre un gros massacre dans tous les agents qui traînent. Donc, ensuite, vous allez quitter ça histoire de pas être trop fatigué parce qu'il y a quand même une armée assez badass qui se pointe là. Avec pas mal de cavalerie visiblement. Donc on va se préparer à défendre. C'est marrant ça, cette ligne commerciale en vague là. C'est totalement logique.
Contre le Frontan, il faudra vraiment qu'il regroupe ses armées, qu'il lance un assaut quelque part, mais qu'il arrête de se balader en faisant n'importe quoi là. Franchement, ça ressemble à rien, c'est sa manière de faire. Ok, le Donien nous envoie un type foutre la merde. On va espérer qu'il va se rater. Ouais, on peut pas savoir pour l'instant. La Ligue étrusque, bah elle fait sa vie. Alors là, je sais pas ce qu'il fait, toujours pareil. Pff, là, il se balade avec ses flottes, enfin, qui sont complètement dans le mal, quoi. Bah écoute. Ok. Ah, le Région a décidé de laisser tomber les flottes et de se pointer avec du. Avec du badass, hein. Ok, donc il a raffaibli notre garnison ici, on s'en fout un peu, très honnêtement. Donc c'est l'hiver, on pourrait éventuellement arriver direct là-bas, mais on va pas le faire. Alors du coup, toi, est-ce que le dignitaire là, il est à portée complètement? Ouais, ça y est, 32% de chance, ça peut le faire, faut bien commencer quelque part, de toute façon ils vont être expérimentés les gens en face. Hein. Et merde, on a été blessé. Bon, on lui a mis celle qui faisait qu'elle récupérait plus vite, donc l'un dans l'autre c'est pas trop grave. Ici, on peut essayer de le voler. Ou on peut le feinter. Ok. Et si on essaye de voler celui-là, on a plus de chance. On va essayer de voler celui-là. En plus, lui peut pas nous assassiner si on est découvert, alors que lui pourrait. Je m'en suis assuré. Ok, on a réussi à lui piquer du blé. C'est parfait. Donc ici encore un tour avant que ça fasse des trucs. Alors avec lui, on peut peut-être commencer à se balader ailleurs, à faire d'autres choses. On peut que saboter la colonie, c'est pas ouf. Faudrait que je le ramène par là-bas également pour s'occuper des agents, donc on va commencer à l'emmener là-bas. Pour l'instant on n'a pas trop besoin dans le coin. Ici on est en train de recruter, faut faire gaffe à ce qu'il fait après. Même si nos villes comme d'hab sont plutôt bien protégées. Hein. 10 de garnison, 14 de garnison, ça va quoi. Donc ouais, ici il y a une concentration d'agents assez monstrueuse. Il est blessé donc je peux pas en recruter un autre. Hein. Non. Par contre je pourrais recruter un nouvel espion. 3% de chance de réussir le renversement, plus 2 de nourriture volée à la province locale. Bon, 5% de coût pour effectuer toutes les argents, c'est pas mal. Allez, on va prendre elle. Je l'ai recruté où? Là. T'es où ma fille? Ah merde, j'ai recruté l'autre bout du monde. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ici la flotte. On va la passer en cadence rapide, hein, parce que son unique objectif c'est d'aller explorer. Donc elle va direct aller genre du côté de loin. Par là. Eux c'est qui Tarquinia. Je les connais eux. Est-ce qu'ils m'aiment bien Tarquinia? Je pense que non mais. Ah non c'est les Sénons. C'est les Sénons. C'est pas absolument pas les Sénons. Non, c'est les Tarquinia. Bah je les vois mais visiblement je peux pas. Je peux rien faire avec eux, peut-être que je les ai pas vraiment découverts en fait, j'en sais rien. Du coup on va s'en occuper avec notre flotte. Donc oui hein, j'avais dit je ferai des flottes et tout pour tenter des combats, mais bon bah là pour l'instant c'est clairement pas maritime hein, donc je peux pas vraiment me permettre de distraire de l'argent pour ça. Alors ici j'aimerais bien renforcer un peu cette cité. Mais on n'a pas trop d'opportunités pour l'instant. Par contre on peut complètement faire ça. Oui, ça va baisser l'ordre public, mais on a ce truc là qui va se fabriquer, donc ça va. Pour l'instant, vu que nos accords commerciaux sont dans le mal, on va peut-être viser un peu la thune. Genre là aussi. Là ça va gueuler, mais l'ordre public est très large. Faudra qu'on améliore ce bâtiment. Je peux pas l'améliorer? Si, je peux complètement l'améliorer. Faut qu'on en ait plus de garnison ici. Quoi qu'on en a déjà 10. Ça m'en fera plus de si je fais ça. On a une infanterie légère et là on a un guerrier irpinien en plus. Ouais c'est pas mal quand même.
Mais on va quand même faire de la thune avant. Allez, c'est parti. Donc là, il continue de faire n'importe quoi. Ah, ici, il commence à être agressif. Alors, je sais pas s'il compte faire quelque chose avec son armée, surtout en plein hiver. C'est qu'il veut une paix. Les Crotons veulent une paix. Les guerriers parlent d'honneur et de gloire. Mais il ne vous en reste que peu. Et il serait prêt à payer. Alors, est-ce que tu serais prêt à donner plus ? Non, bah du coup non. Alors du coup, vexé, il décide de nous attaquer. C'est marrant ça, il y a son armée là qui est en renfort alors qu'il y a un allié. Ah mais notre allié est en renfort également. Oh, ça va être une très très grosse bataille. On va bien sûr la faire. Hein. Ouais, bien évidemment la faire, il n'y a pas trop de débat. Ça sera la petite bataille de l'épisode. On va essayer qu'elle ne dure pas trop longtemps. Si on peut. Donc on a une armée, plus une armée de garnison, plus une flotte de garnison. Et on a les corbeaux de pierre là qui rejoignent, qui vont probablement se faire dépiauter par les Héraclides. Mais s'il retarde deux secondes, hein, il nous aura au moins servi à ça l'allié, parce que franchement pour l'instant... voilà quoi. C'est vraiment pas un cadeau le Frontan. Alors, allez, 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 allez. On charge, on charge. Parfait, donc les bateaux. Bon, comme d'hab, là-bas en face, on a du bateau un peu bidon, mais cela dit, il a que de que du tir, donc on pourrait essayer de les harceler avec nos frondeurs. Ils seront tout aussi utiles qu'à terre de toute façon, donc on va faire ça. Alors, on sait que nos renforts arrivent par là, mais on sait pas du tout où les troupes ennemies vont arriver. Quant à nous, notre armée, elle est juste énorme. Il y a pas vraiment d'autres mots. Alors du coup, on va faire la recette habituelle pour l'instant, hein. Elle marche plutôt bien avec cette cité, qui d'ailleurs ressemble vachement à l'autre cité. Il fallait qu'on les mette comme ça pour tirer sur les gens qui vont éventuellement débarquer, voilà. Vous non, vous allez pas faire ça, vous allez vous mettre là. Ça c'est des mecs à javelot. Donc ici on peut mettre qu'une seule unité je crois, donc on va mettre qu'une seule unité. Tous les gens qui sont là, ils vont se pointer dans le coin, en tas, voilà. Et on avisera. On avisera. Alors ici. Ici j'ai dit. Les renforts ennemis sont en approche. On va essayer d'aller mettre quelques petites caillasses dans la tronche du général. Alors les renforts arrivent par là-bas, tiens, ça va complètement changer notre positionnement pour une fois. Alors ici on va essayer de le contourner bien sûr, hein. L'objectif c'est pas de se faire du corps à corps avec ces gens. L'objectif c'est de les harceler le plus possible sans se faire choper si on peut. Ouais, ils tracent la route quand même là-bas là. Ils sont en train de courir, on dirait. Alors du coup, changement de position, vous allez venir ici. Vous allez vous replacer là. Les frondeurs du coup vont malheureusement pas servir à grand chose, donc on va mettre derrière plutôt les lanceurs de javelot. Ouais, bah plutôt un lanceur de javelot du coup. Puisqu'apparemment deux, ça ne passe pas sur le quai. Voilà. Et on aura moyen de faire des petits contournements, je pense, pour aller leur tirer dans le dos selon comment ils se placent. Voilà. Donc ici ça va se faire. On va se concentrer en attendant de ce côté-là. Je pense que eux vont aller débarquer plus ou moins. Ici faut accélérer par contre. Là aussi faut accélérer. Ah, on va se faire complètement choper. Ok, bon bah du coup on s'est fait complètement choper, donc on va se faire défoncer ici.
peut rien faire, hein. On peut pas se dégager d'un engagement de toute façon. Ah mais oui, mais c'est la cavalerie ennemie qui charge en fait. Forcément. Ouais, donc du coup, ce qui serait pas mal, c'est qu'on mette des lanciers là. Les hommes sont hésitants. Ouais, bah eux, ils vont se faire dépiauter, hein. C'est pas vraiment une surprise. Alors eux, ils vont aborder où? On dirait qu'ils vont quand même aborder de l'autre côté. L'ennemi attaque notre allié. Ah putain, le con, il a rushé pour les choper, quoi. Le débile. Bon bah là, on va être engagé assez rapidement. Alors, il nous faut de la lance. Alors ça, c'est de la milice de merde, mais c'est pas grave. On va charger quand même, hein, c'est des lanciers, ils sont là pour faire le taf. Et ici, on va pouvoir gérer cela assez facilement. Vous, ce serait bien que vous plantiez dans le coin. Essayez de tirer par-dessus tant qu'à faire. Non, demi-tour vous, parce qu'il y a des gens qui se pointent là. Des tirailleurs à cheval. Ce serait mieux si vous voulez fusiller. Alors, sauf que non, vous allez vous les faire mais sans courir n'importe où. Voilà, placez-vous comme ça. Donc les bateaux ont l'air de vouloir débarquer plus ou moins là. Ce qui veut dire qu'il faudra qu'on fasse un deuxième front sur l'autre côté, mais c'est pas trop un problème normalement. On va demander à ceux-là de les choper. Théoriquement, sauf s'ils nous chargent, en tout cas à distance on devrait être capable de leur mettre une bonne fessée. Si on tire, allez tirer les gars. Tirez. Voilà, s'ils veulent nous affronter à distance, on devrait les défoncer normalement. Normalement. La vache! Ils sont résistants ces cons! Ah, ça y est. Ils commencent à souffrir. Ok, donc ici. On est parti, là on leur balance quelques petits javelots bien sentis. Ici on est peut-être un petit peu trop avancé. J'apprécierais que vous nous défonciez ces gens. Alors, vous non. Vous allez sortir de votre tas là. Vous par contre vous chargez, on est d'accord. Le général, qu'est-ce qu'il fout? Le général il va se rapprocher un peu. Donc ici comme prévu on va les déboîter. Ce qui est parfait. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Voilà, parfait, il s'enfuit. On va leur lancer quelques dernières petites rafales. Parce que pourquoi pas. Et derrière ça va commencer à débarquer. Du coup, on va se replacer là. On va envoyer des guerriers lucaniens ici, c'est parfait. On va donc placer une ligne ici. Notre général se fait attaquer, il se prend des flèches, c'est ça l'idée. Il y a eux qui font un peu chier le monde là. Des peltas derrière. J'ai pas l'impression qu'on arrive très efficacement à les toucher malheureusement. Alors ici on a réussi à les faire fuir. Est-ce que ça vaut le coup? Ça c'est quoi? Ça c'est du montagnard italique mercenaire, on pourrait complètement les prendre dans le dos. On va complètement les prendre dans le dos. Allez, en avant les gars, vous allez me charger par ici. Vous allez me charger ces cons. Notre allié, comment il s'en tire? Je pense qu'il va plus ou moins se faire défoncer, mais bon, il fait son taf, il occupe l'armée ennemie. Pour l'instant, on lui en demande pas plus, donc ici ça va se replacer tranquillement. Eux, ils ont malheureusement plus ce qu'il faut pour combattre. Thank you.
Allez, ici, ah, malheureusement, ils ont réussi à nous empêcher de passer, mais c'est pas grave. Alors là, on a une unité de lanciers miliciens qui se pointe. Nos tireurs, est-ce qu'ils pourraient pas éventuellement... Alors j'aimerais bien dégager, alors pas toi. Toi tu vas reculer. Pourquoi vous faites une ligne comme ça vous? C'est pas trop le thème. Eux ils résistent hein, c'est con. Hein. Vous j'aimerais bien que vous veniez vous foutre là. Sans avoir une belle ligne de tir là. Allez les guerriers lucaniens, hein, c'est pareil, bougez-vous. Il y a complètement moyen de se les faire là. Là, si ça pouvait céder, ce serait parfait. Allez, vous le retirez dans le dos. C'est parti. Vous allez vous foutre devant. En profitant que là, ça recule. Voilà, parfait. Alors là, hein, comme d'hab, il a scindé ses forces. Donc on va lui faire mal. Ici, ça va peut-être être un petit peu moins évident. Faudrait peut-être un peu plus de monde, là, en renfort derrière. Dans le dos de ces gens, vous allez passer en mode défense, vous allez vous démerder pour tenir la ligne, vous. Faites comme vous voulez. Ah putain, on s'est fait choper dans le dos là. C'est du lancier milicien de merde, mais ça peut piquer quand même. On a quoi? On a une infanterie légère ici, qui est à même de s'en occuper. Repliez-vous, vous. Tiens, bah même vous là, vous pouvez complètement vous dégager et vous en occuper en fait. Donc tant pis, on va pour l'instant se replier avec les frondeurs. Les montagnards italiques, s'ils avaient moyen de se faufiler sur le côté, ce serait cool. J'y crois pas trop, à mon avis, il n'y aura pas la place. Mais... Ah, peut-être. Hein. Ah ouais, si, ça peut le faire. Allez, charge ailier. Voilà, donc là on les a chopés. Nos frondeurs ont réussi à s'en tirer pas si mal. Si on peut dire. Ok, donc ici ils ont décidé de s'enfuir, on va donc les charger, de toute façon ils sont bloqués par nos autres troupes. Enfin, plus ou moins on va dire. Ouais, plus que moins, je ne sais pas. Notre allié a été détruit. Ok, donc l'allié c'est fini, je sais pas trop quel taf il a fait, mais au moins il a fait le taf. Ici on tire. Donc c'est du hoplite, hein, donc comme d'hab, la caillasse ça leur fait pas trop de dégâts de front. Là je pense qu'il y a moyen que ça cède assez facilement. On a beaucoup d'unités de tir qu'on va réembler comme ça en attendant de s'en servir mieux. Toi tu vas venir dans le coin, tu peux inspirer peut-être quelqu'un. Bon, pour l'instant il n'y a pas vraiment de besoin, mais on va quand même s'occuper de ça. Ça c'est quoi? Ça c'est des Toxots. Hein. Est-ce qu'ils sont à portée? Ils sont complètement à portée de nos frondeurs. On va donc leur demander de s'en occuper très rapidement. Ok, donc ici malheureusement il y a une unité de CAF qui a réussi à se dégager. Ce qui nous fout un petit peu dans la merde. Puisqu'on va galérer à la poursuivre, ça c'est des peltastes qu'on pourrait rattraper par contre je pense, mais je suis pas convaincu. Ce qu'on va faire ici c'est qu'on va se replier tout simplement, on va se replier, merde, ici. Avec les frondeurs derrière pour aligner si jamais quelqu'un a la bonne idée de venir se foutre. Et là on va se replier ici, comme ça ils seront obligés de venir se mettre là, s'ils veulent nous tirer dessus, dans l'angle là. Et on pourra les allumer avec nos frondeurs. Ok, donc là on devrait pouvoir s'occuper assez efficacement de ces gens. Infanterie de mêlée, Paris, Paris. Allez, c'est parti, on envoie un peu de renfort là. Nous attendons vos ordres. Frondeurs, Paris. Alors ici, on va s'occuper des frondeurs, il nous faudrait une unité supplémentaire pour s'en occuper. Voilà, donc là vous voyez, il est obligé de venir se mettre dans l'angle. Ce qui veut dire que du coup, on peut se le faire. Alors, la milice s'est détruite de ce côté-là, donc il y a des tirailleurs à cheval qui arrivent de l'autre côté, donc on va sangler pareil, comme ça, pour l'instant. Oups là, pardon. Les peltastes, j'aimerais bien qu'ils aillent plutôt là. Qu'on utilise des frondeurs ici, plutôt.
Ça me plairait bien, moi. Des frondeurs dans le coin. Ici, c'est quoi ça? C'est des tirailleurs à cheval, ça. Ah merde, eux, ils ont plus de munitions. Lancier italique. On va essayer de les charger. Sur un malentendu, ça peut passer. Ils sont quand même très proches. À votre commandement. À votre... On a réussi à les choper, c'est une bonne nouvelle. Alors ici, les frondeurs, c'est fait. Hop là, on va donc se mettre au toxot. À coup d'unité de 3 frondeurs, ça devrait le faire. Là, faut absolument qu'on s'occupe d'eux. Vous pouvez juste faire demi-tour là, vous êtes peut-être pas obligé de le charger. Allez, reculez. Reculez, voilà, comme ça. Ici. Donc là, il nous voit bouger, il y va, c'est normal. On va envoyer le général, hein, il faut bien qu'il serve un peu. D'accord, là il charge carrément. Bah pas de soucis, on va s'en occuper. Donc ici on a réussi à choper des gens, c'est parfait. On va donc emmener quelques renforts derrière. Là du coup on a personne sur qui tirer, donc on va se remettre dans ce sens là. Ici on va voir ce qu'il fait, hein. S'il décide de charger par là, bah on va avancer avec nos troupes tout simplement. C'est visiblement ce qu'il a envie de faire. Il n'y a plus personne derrière apparemment. À part l'allié qui s'enfuit. Alors ici, engagé avec notre général, la cavalerie devrait assez rapidement décéder, je pense. On va inspirer eux parce qu'ils sont en train d'en chier un peu par contre. Très clairement. Donc en attendant que les renforts arrivent en mode massacre. Voilà, parfait. Ici on s'occupe des derniers toxotes, je pense que ça devrait aller assez vite. Vous, j'aimerais bien que vous fassiez un petit peu le tour là. Voilà, et vous me les chopez comme ça. Alors merde, on a nos frondeurs chargés là. Reculez. Parce que là on est sur du hoplite quand même. Ça déconne pas. Mais après l'avantage c'est qu'on est juste avant le truc, il nous a chopé juste à l'angle, ce qui fait qu'il ne va pas pouvoir nous tirer dessus. Peut-être un petit peu sur cela. Donc on va reculer nos frondeurs ici. Et si jamais il a la bonne idée de se rapprocher, on va pouvoir le défoncer. Ici c'est pareil, venez vous mettre là. La vache, comme il avance là. C'est ouf. Ah oui, on est les hoplites, ça déconne pas quoi. Alors, ici on a géré tout ce qu'il fallait, c'est parfait. Donc il ne nous reste plus que des hoplites. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur demander de se mettre là pour essayer de passer dans le dos. Les frondeurs, ils font ce qu'ils peuvent. Donc c'est ici maintenant, hein, probablement le point chaud. Là ça devrait céder, je pense. Il reste quand même des peltastes et des vrais hoplites, mais... tout seul il devrait finir par céder. Là on devrait pouvoir gagner assez facilement. Alors maintenant que vous êtes là, vous allez courir par là-bas. Et vous allez commencer à courir tout là pour aller vous foutre par là-bas. Parfait, ça va aider ça. Voilà, ici on va pouvoir leur tirer dans le dos, c'est nickel. Alors vous allez rejoindre vos potes par là-bas. Voilà, le pathfinding est nickel. Donc ici, il a fini par engager ses frondeurs carrément. Pourquoi pas. Donc on a quelques tirailleurs qui restent, mais voilà, donc là ça a cédé, c'est parfait. On va pouvoir charger dans leur dos avec tout ce qu'on a. Ici on va se recentrer pour éviter de faire du tir à mi si on peut. Qui c'est qui tire? Ok, donc eux ils essaient de tirer par derrière, ils vont s'arrêter.
Ouais, ça s'enfuit de partout. Qu'est-ce qui reste qui n'a pas fui encore? Là, il y a une unité, là. Ah, il y a une unité d'oplite pleine, ici. Alors, attention. Attention, attention, les gars. On va récupérer ce qui traîne par là, et on va les foutre ici. En attendant, vous, passez en mode escarmouche. Et essayer de lui caler quelques trucs. Je sais pas ce qu'il a fait, lui, peut-être qu'il a fait tout le tour par là. Je sais pas d'où il vient. Vous repliez-vous également. Vous allez passer en mode escarmouche et allez lui mettre quelques caillasses. Comme ça, d'où qu'il aille, il se prendra des caillasses de partout. Alors là, on va prendre l'angle. Je suis pas sûr qu'on aura le temps de lui mettre un tir, malheureusement. Peut-être. Ouais, faut vous tirer par contre, les gars, là. Voilà, très bien. Ok, donc là on va avoir des frondeurs dans son dos. D'autres frondeurs dans son dos. Donc eux, par contre, vous allez arrêter. Halte au feu. Voilà, il devrait s'enfuir assez rapidement, je pense. Hein. En attendant, on va emmener notre général donner un petit boost. Donc ici, il n'y a plus rien. On est en train de les poursuivre, c'est pas utile. Hein. On n'a pas de cave, donc aucun intérêt. Même notre milice a résisté, ça fait plaisir quand même. Voilà, c'est bon, il n'y a plus personne. Si, il reste quoi? Des hoplites légers. Oh, sans déconner, ils veulent pas lâcher les mecs. Hein. Ah, ça y est, ils se cassent. Et c'est la victoire! Parfait! Alors, victoire de justesse, toujours, hein, mais franchement, c'est peut-être parce que notre allié s'est fait défoncer. Je ne sais pas. Il a quand même perdu 2400 hommes. Je pense qu'il devrait accepter une paix un peu plus intéressante maintenant. Mais du coup, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va s'arrêter là. Hein. Je vous fais grâce du chargement et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce, un petit commentaire si ça vous dit. Et on se dit à très bientôt. Salut à toutes et à tous.